Là, on est sur l'île de Dako. Dako, ça veut dire tout simplement la plus grande des îles de France. Donc, on retrouve 500 habitants sur cette île qui fait à peu près 12 hectares. Il y a l'électricité puisqu'il y a un pipeline qui traverse depuis l'autre côté. Un pipeline jusqu'ici sous le haut en fait, et donc ici les habitants vivent de la pêche évidemment, commerce de la noix de coco, donc il y a des cocotiers évidemment, et puis le tourisme, donc des gens comme moi aujourd'hui, et puis ils vendent des petits légumes, ils vendent des poissons, des fruits de mer. Et puis notre cuisine pour les touristes. Donc là, on voit, cette cuisine est directement ici pour nous. Voilà. Les maisons, c'est les petites maisons typiques des pêcheurs. Okay. Ça. Là, on a le maître coupeur d'ananas. Voilà, c'est préparé en live dans la cuisine. On a même des enfants qui sont là. Voilà, c'est tranquille. Hein. La cuisson, ça se fait au feu de bois. Donc, voilà. Ça, c'est joli. Hein. Voilà. Et puis, quoi d'autre? J'ai pas eu trop d'informations. Mais voilà, 500 habitants. Paisiblement de la pêche, commerce de la coco et tourisme. Et puis bon, ils ont fait ce qu'on appelle les pailles coco, c'est joué pour les touristes. C'est sympa, sympathique. Il y a du vent évidemment aujourd'hui. Là, enfin, des petits jeunes qui arrivent. Salut. Oh boy. C'est la chenille qui démarre. C'est un peu par là. Il y a même des panneaux solaires. Voilà, je vais juste passer par là. Aller au centre du village. Alors, hop, truc avec colle au pied, du coca. Ouh. Les coqs qui vivent en liberté. Salut mon coq. Salut coq.
Nice. Donc on a un petit monsieur qui fait sa sieste Ouais. là. Allô? Ok, ça n'a pas l'air d'être en pleine forme. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'école là. Ah ouais, c'est l'école. Avec les barrières en pète. Ok. Typique maison de pêcheur. Un petit cochon. Salut, petit cochon. Cool. Ok. Bon. Non, je vais aller manger. Ça, c'est l'école.